Bonjour à tous. On fait ce petit tuto pour vous éviter de payer un article de danse que vous aimez beaucoup, trois fois plus cher que son prix de base. Il se trouve qu'il y a sur Internet, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'arnaques. Moi, j'appelle ça une arnaque. Vous pouvez tomber sur une paire de chaussures de danse que vous trouvez super jolie au prix de, par exemple, 120 €. Et finalement, sur notre site, ces mêmes chaussures coûtent 40 €. Voire 38, enfin bref, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, je vais vous faire part de ma petite astuce pour vous faire économiser des sous, ou du moins pour ne pas vous faire avoir. Alors, je vous partage mon écran. Voilà, alors je me rends sur le site en question lorsque j'ai un doute. Vous allez sur votre site en question. Admettons, vous aimez beaucoup ces chaussures. Donc, à la base, elles coûtent 140 € et là, on vous fait croire à économiser 30 €, vous avez une promotion de dingue, elles ne coûtent que 98 €. Je télécharge une application qui s'appelle Gyazo, Gyazo. Une fois que vous l'avez téléchargée depuis Internet, elle se retrouve dans vos applications. Je clique sur Gyazo et là, ça m'ouvre un curseur de capture d'écran. Je prends en capture d'écran mon talon. Et je veux être sûre de ne pas le retrouver à, je sais pas moi, à 40 € sur un autre site. Je fais clic droit. Là, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Je fais clic droit, rechercher une image sur le web. Et là, on peut voir qu'elles apparaissent sur un autre site. Je clique dessus. Just do it. Je les recherche. Tiens donc, elles sont là, au prix de 43,91 $, c'est-à-dire à peu près 37-38 € quoi. Ok, donc clairement à choisir, hein, autant les acheter sur ces sites. Autre exemple. Autre exemple, ces chaussures-là sur Méliz, au prix de 127 €. Je refais la manip. Gyazo, je prends ma capture d'écran. Clic droit, rechercher une image sur le web. Pinterest. Ah non, ce n'est pas celui-là. On va choisir ce site-là. Ça a l'air d'être les mêmes, ouais. Allons-y. 77 $, ce qui doit nous faire je sais pas, 70 € à peu près. Et nous, on les avait vus au prix de. Pour rappel, 127 €. Voilà, donc encore une fois, bon, il y a Anguille sous Roche. Idem pour les vêtements de danse. Moi, j'avais vu exactement ce body. Voilà, je m'étais faite sponsoriser sur Facebook avec ce body-là. Je me rappelle très bien, ce n'était pas ce site et c'était beaucoup moins cher. Et je suis retombée sur le même article quelques mois après sur ce body. Et là, je vois qu'il est à 35 € tout d'un coup. Donc, qu'est-ce que je fais? Magie, magie, je vais sur mes applications, Gyazo, et je vérifie l'information. Je prends en capture le body. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. N'hésitez pas à insister, d'autant plus si vous avez un doute. Clic droit. Rechercher une image sur le web. Il est là. C'est le compte Pinterest du compte Shane. Moi, je ne sais pas comment vous le prononcez. Moi, Shane, Shane. Bref, on connaît tous ce site. Et il est au prix de 16 $, c'est-à-dire à peu près 12 ou 13 €. Voilà. Et nous, on l'a vu sur un autre site spécialiste de la danse au prix de 35 €. Donc, sous prétexte qu'on est spécialiste de la danse, on va prendre finalement des articles sur des sites très connus chinois. On va se dire, ah tiens, ça s'adapterait bien à la danse, ça. Et on va ben, monter le prix alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Bon, je pourrais vous en citer plein d'autres, notamment sur ce catalogue et sur d'autres sites. On ne va pas passer 1000 ans. Vous connaissez la technique. Petit récap. Vous allez dans vos applications, une fois que vous avez téléchargé l'outil de capture d'écran Gyazo, Gyazo, vous avez votre curseur, vous prenez votre capture d'écran,
ça vous renvoie sur une autre fenêtre. Vous faites clic droit, recherchez sur le web. Et là, vous tombez sur tous les sites qui mettent en avant l'article de votre choix, enfin, que vous comptez acheter. Voilà, je pense que la vie est assez chère pour payer des choses plus chères que ce qu'elles sont. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vous livrer cette petite astuce. Autre astuce, si vous voulez vraiment acheter de super chaussures de danse, allez sur le site lightinthebox.com. C'est un site chinois. Vous serez livré entre 7 et 10 jours maximum, 7 et 8 jours en général, voire moins. Vous avez des super chaussures de qualité qui coûtent entre 25 et 50 euros. Donc, pas la peine de dépenser 200 euros dans une paire. Il y a de très belles choses. Moi, j'en ai acheté une paire il y a 2 ans. Elles sont toujours là. Et d'ailleurs, ce sont des chaussures dans lesquelles je suis super à l'aise. De toute façon, on vous l'écrit dans l'article. On vous écrit quelques petits conseils et quelques petites boutiques fiables où acheter vos vêtements et chaussures de danse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vais tenter de couper cette vidéo. C'est bon. Au revoir tout le monde.